L'Office national d'appui à la jeunesse et au sport fait la promotion de l'entrepreneuriat. Dans la commune du 1er arrondissement, l'ONAGS lance le projet d'appui aux organisations et associations des jeunes. Conformément aux missions régaliennes qui sont assignées et malgré les difficultés financières auxquelles il fait face, l'ONAGS est toujours résolu à accompagner les jeunes dans leurs initiatives de développement en appuyant la mise en œuvre de leur plan d'action. La lutte en faveur de la paix, du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique, de l'acceptation de l'autre, fait partie des axes d'intervention majeurs. La cérémonie d'assistance financière qui nous réunit aujourd'hui et qui n'est que la première étape de cette campagne s'inscrit dans cette logique. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seyd, affirme que par cette initiative, l'ONAGS contribue à la politique du gouvernement qui accorde une place de choix à la jeunesse, une tranche majoritaire de la population tchadienne. Mes frères jeunes, principalement ceux du premier arrondissement, les pouvoirs publics, et en l'occurrence le président de la République, comptent énormément sur vous, comptent sur votre détermination, ils comptent sur votre courage, ils comptent sur votre abnégation. Et il compte surtout sur votre loyauté infaillible vis-à-vis de votre pays. La somme allouée à ces jeunes varie entre 700 000 et 1 million de francs CFA. Cette ressource financière mise à leur disposition leur permettra de démarrer avec les activités de rentabilité afin qu'ils puissent se prendre en charge.